suspension manufacture et conçoit et installe des systèmes de suspension pour véhicules lourds dans le but d'augmenter leur capacité de charge. C'est des systèmes de suspension qui vont être installés sur des camions qu'on appelle de type vocationnel. Donc, c'est les plus gros camions de l'industrie qui vont servir soit à livrer du béton, des matériaux en vrac comme des bennes masculines ou des cisternes. Ça peut être aussi des camions outils comme des camions à chargement frontal pour ramasser les ordures ou des pompes à béton. On est environ actuellement 125-130 employés. Et on est en embauche. Oui, vous avez la formation justement puis de votre activité, donc on est tout à fait. Pour ce qui est notre ligne de production technique d'assemblage qui a été redémarrée récemment, donc la cohorte va commencer le 8 décembre. Et on a d'autres postes aussi ouverts dans les différents départements de l'entreprise. C'est une formation en alternance entre à l'école puis ici. Puis la formation est adaptée parce que on s'en cachera pas, c'est un métier qui est manuel. Fait que j'ai tourné beaucoup de vidéos parce que les manuels, ils apprennent beaucoup plus vite en voyant des vidéos. Fait qu'en classe, bien, on voit de la théorie, on va voir les vidéos un peu des tâches qu'ils vont avoir à faire, mais plus souvent. Après ça, bon, on va venir les faire en atelier. Là, cette année, je m'attends à peu près 18-20 personnes. Quand on bosse par le cours technique d'assemblage, bien, c'est plus spécialisé, c'est plus centralisé sur ce qu'on fait ici. Donc après ça, les gars, ils embarquent sa production et la courbe d'apprentissage est beaucoup plus rapide. Très bien signifie jamais trop bien. Donc, il y a toujours de la place à l'amélioration. Mais effectivement, l'industrie a été pas mal affectée par la crise financière de 2007-2008. 2007 aux États-Unis, nous, on en a subi plus les conséquences en 2008-2009. Et il y a eu un ralentissement des achats de camions lors de ces années-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, il y a un certain rattrapage. L'industrie doit remettre à jour l'âge de la flotte. Donc, ça augmente sensiblement les ventes de camions lourds. Et on est tributaire des ventes de ces mêmes camions. Donc, plus grands camions, finalement, plus on a du potentiel pour faire des modifications. Autre côté du Canada, donc on vous retrouve dans quel pays? Les États-Unis, je reviens d'ailleurs la semaine dernière, j'étais là aux États-Unis, beaucoup d'effervescence du côté américain présentement, l'industrie de la construction qui redémarre. Pour nous, ça nous entraîne des volumes sur des camions pompe à béton et bétonnière. Donc, qui dit construction aujourd'hui dit béton. Et c'est avec l'usage de ces camions-là que ça se passe. Donc, on travaille sur plusieurs projets actuellement. Camion multi-SUV, pas seulement la vue d'un deuxième SUV directeur, mais trois essieux et même direction arrière assistée. Donc, des projets assez complexes, des beaux challenges. L'énergie du côté américain, autant l'énergie pétrolière que l'énergie gazière également. Donc, les foreuses, les camions qui servent sur ce type de... On est présent dans plusieurs pays de l'Amérique latine, en fait, centrale et du sud, depuis plusieurs années. Et le marché de l'Australie aussi, qui recommence à donner des signes de vie. Un marché qui était bon pour nous toujours avant la récession. Et il y a eu une période de pause, mais on a bon espoir pour les prochaines. On est en train de mettre sur pied un réseau de distributeurs installateurs du côté des États-Unis pour tirer profit au maximum du marché américain. C'est susceptible d'augmenter notre production du côté de l'usine de fabrication du Rang-Saint-Laurent. Mais à l'intérieur de nos usines, on a encore du potentiel d'augmentation de capacité de production. Donc, il n'y a pas de projet d'agrandissement à court terme. C'est quoi qui fait que si l'investissement de marché, justement? L'ingéniosité de nos produits, on a développé une expertise de longue date maintenant. On est vraiment les leaders nord-américains lorsqu'il est temps d'augmenter la capacité de charge de ces camions-là. L'harmonisation des différents systèmes qu'on est capable de développer pour les camions fait en sorte qu'on se démarque de tout ce qui peut être fait ailleurs.